Salut tout le monde. Voilà, j'espère que vous allez bien, mieux que moi. J'étais malade et voilà, ma voix revient tout doucement, parce que je l'avais bien perdue. J'ai eu très mal à la gorge, j'ai beaucoup toussé. Voilà, mais je tousse encore un peu. Ça va. Il n'y a plus de fièvre, rien. Je suis un petit peu fatiguée aujourd'hui. Je sais pas, j'ai un peu chaud, mais bon. Il y a un petit peu d'orage. Ça gronde un peu, donc c'est ça, le temps est un peu... C'est moite. Je voulais me maquiller pour faire un petit maquillage, pour filmer. Et finalement, j'ai pas envie. Je sens que ça colle un peu. J'ai pas envie de dégouliner. Donc, voilà. Comme tu as pu voir dans le titre, petit haul AliExpress, parce que j'ai envie de... Comment dire, de ranger, d'utiliser. Donc, allez, voilà. J'ai acheté, je crois que j'ai déjà montré un premier paquet, parce que bah, j'ai pas assez pour faire toutes ces touffes. Donc, j'ai repris des bigoudis. Vraiment, vraiment pas cher. J'ai pris les 6 cm de diamètre. Et ici, j'ai déjà enlevé le truc, je sais pas comment expliquer, qui accroche tes cheveux, la matière velcro comme ça. J'aime pas, ça arrache mes cheveux. Donc voilà, je vais juste... J'y arrive plus. Enrouler mes cheveux autour et mettre une pince, parce que j'en ai acheté. De toute façon, je voulais utiliser d'office avec des pinces. Donc la matière velcro. No way. Voilà, j'ai repris un jeu, parce que bah, j'avais pas assez. Ensuite, j'ai pris des petites boucles d'oreilles. Des petites boucles d'oreilles. Mais ouvre-toi, médite d'homme. Voilà, ça foire, tout va bien. De toute façon, tu retrouveras le tout, tant que c'est disponible, sur ma page Facebook. C'est vraiment très coloré, très gadget. Mais je les ai trouvées mignonnes. Un rose bien flashy. Et bon, c'est pas cher du tout. Hein. Petit bazar fantasy. Je ne prends pas le truc très cher. Ensuite, ce serait plutôt pour une photo, quoi, parce que bah, ça, c'est vraiment de la matière cacaille, quoi, ferraille. Une bague avec un scorpion. Ça se porte comme ça, voilà. Oui, j'ai mes bagues en dessous, mais enfin bref, c'est pour te situer un petit peu le truc. Je trouvais ça sympa. Hop. Et hop. Donc, c'est tu peux redimensionner le truc. Ensuite, génial, j'en ai perdu une dans le sac. Ouais, bref, c'est pas grave. J'ai pris des petites boucles d'oreilles en acier. Petit focus, merci. Voilà, très mignonne. La deuxième est dans le sac. Après, j'ai cru que c'était la même, enfin, que ce serait la même taille, mais que c'était juste un surplus ou quoi. J'ai pris une coque pour mon téléphone. Bah oui, alors faut savoir que moi, je suis toujours avec un S8. Qui me convient très bien, donc tant qu'il fonctionne, j'ai pas besoin de changer, voilà. Et apparemment, il y a le S8 Plus. Et comme j'ai vu que c'était la même disposition des boutons, machin, je me suis dit, peut-être le Plus. Enfin, ouais, je sais, ils font la même chose chez iPhone. Et les téléphones sont plus grands, moi je me suis simplement dit que c'était des caractéristiques en plus au téléphone, mais que c'était la même taille, et en fait... voilà, il manque un bout. Il manque un bout, donc bon, bah voilà, tant pis. Je me suis reprise. Pas parce qu'il faut le temps, j'en en trouve plus chez Action, donc ça me fait une petite réserve. J'ai repris un... une protection d'écran, voilà. Donc en plexi, enfin celle-ci, elle est dure. Je te montrerai plus tard, chez Shein, j'en ai pris, ils appellent ça en hydrogel. Donc c'est plus souple, je verrai bien. Je testerai. Ensuite, j'ai pris, je sais pas trop comment ça s'appelle, un truc moxibustion. J'ai vu ça dans des vidéos de relaxation et tout asiatique, et j'ai cherché comme AliExpress à gagner en Alibaba. C'est un truc qui s'allume comme de l'encens, un bâton d'encens. Et ben en fait, tu as le petit, la petite tête, j'ai envie de dire. Et en fait, j'ai vu ça sur le front, machin, donc ça fait ben, de la chaleur. Donc ce serait relaxant, donc tu en fous le petit bazar de temps, tu l'allumes et...
Voilà, je sais pas trop comment décrire, je suis pas spécialiste, hein. J'ai vu les vidéos, j'ai compris comment l'utiliser, mais voilà, te décrire tout le truc, j'avoue, je suis nulle. Voilà, donc, ce petit truc, natation, j'aime beaucoup ce truc-là, et je me suis dit, allons, testons, et c'était quelques euros, je suis tombée sur un truc en promo, c'était pas un énorme pack, parce que sinon, c'est un peu trop. Donc je l'ai pris, ensuite, j'ai pris un petit serre-tête, comme ça, avec des petits strass, un petit nœud. Il n'y en a pas beaucoup. Bref, tout mignon, j'avais envie, je mets pratiquement jamais ça. Jamais, à part celui que j'utilise ou quoi. Quand je mets mes crèmes, je me maquille, disons pour de la déco sur la tote, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Ensuite, bon, on sent que c'est vraiment petite qualité. J'ai pris une petite pochette, comme ça, qui m'a coûté un peu moins de 5 euros. C'était en promo avec l'envoi. Assez grande, voilà, une petite fantaisie quand des choses comme ça. Je ne mets pas un prix très cher parce que j'utilise très peu ce genre de trucs. Je ne mets pas grand chose dedans, donc j'évite d'acheter ça à un prix un peu plus onéreux, même si la qualité est là, mais j'utilise tellement peu qu'au final un truc à 5-10 balles me dure aussi longtemps que si je l'avais payé 50. Donc voilà. Ensuite, j'attrape là dans le fond du sac parce que franchement j'ai plusieurs petits trucs cette fois. Et je sens ma voix tout doucement qui part. Youhou. J'ai fait faire une bague en acier avec mon nom. Celle-ci. Je la mets là pour que tu puisses voir. Voilà. En acier, donc tu peux choisir. Bon, évidemment, si tu t'appelles Jean-Marie, encore Jean-Marie, ça va encore. Mais, tu vois. Si tu t'appelles Marie-Charlotte, bon. La bague risque d'être grande, mais voilà, je vais faire ça, et c'était quelques euros, parce que je suis arrivée à un moment où le truc était en promo. Voilà. Pourquoi j'ai une chaîne toute seule? Je crois que j'ai fait un truc. Non, j'ai acheté une chaîne, je suis bête. J'ai acheté une longue chaîne en acier. Un peu plus longue que ce que je mets d'habitude. Je crois que c'était 50, non pas 55, 45. Je sais plus, c'est un peu plus long d'habitude, voilà, donc pour changer des fois les pendentifs. Hop, j'ai pris un tout petit kiki phare, enfin highlighter. Tu peux utiliser comme highlighter aussi, si t'as envie. Très 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 irisé. Voilà, je crois qu'il y avait plusieurs teintes aussi chez le vendeur, je me rappelle plus. De toute façon, comme je dis toujours, tu auras le lien sur la page Facebook. Oui. J'ai repris aussi ça. Oups, c'est mis en acier. C'est mis que c'était en acier. Donc il y a une protection collée dessus. C'est pas bleu. C'est gris. Pour mes trucs. Mes autres coques, j'aime bien. Je sais même pas vraiment comment ça s'appelle. Tu mets ça à l'arrière de ton téléphone en fait. Voilà, moi je glisse mon doigt dedans en fait. Je trouve que je l'ai mieux en main. Et ça fait parfois un petit support quand tu poses. Ton téléphone, voilà. Je crois que c'était 2 euros une fois flotte. Chaque. J'ai pris en acier parce que voilà, après sinon, je sais pas si tu vois, ça devient tout dégueu en fait. Donc voilà, j'ai pris un petit collier. J'avais envie d'un tout petit collier de perles. Un peu, enfin pas ras de cou, mais il arrive ici en fait. Il est un petit peu plus court. Donc voilà, je vais boire un petit coup parce que ça commence à me faire mal. Ensuite j'ai pris quelques boucles d'oreilles fantasy, dont celle-ci que j'aime beaucoup. Mais qui ne sont pas, la couleur n'est pas la même que la photo. Donc j'ai pas envie de te mettre le vendeur parce que je trouve que c'est pas très très honnête. En fait ce qui pend là était en rose, c'était un dégradé de rose jusqu'à avoir du rose clair. Et en fait, c'est pas du rose clair, c'est blanc. C'est blanc. Enfin, il y en a un peu, mais c'est du rose tellement clair. Après, c'est blanc, ça ressort vraiment pas comme la photo. Je lui ai dit, déjà, je sais pas ce qu'il a compris. Il m'a dit, oui, mais on a envoyé le produit, machin. Je dis, mais je t'ai pas dit que j'avais perçu le produit. Je te dis simplement qu'en fait, c'est pas la même que la couleur que la photo, donc c'est dommage. Voilà. Ensuite, j'ai pris celles-ci, qui sont toutes légères, parce que c'est un espèce de tissu à l'arrière sur lequel on a collé... Les strass, donc. Ah, et c'est très, très bling bling. Voilà, ça c'est.
truc que je vais porter occasionnellement, mais j'avais envie que ça pète. J'ai un petit reflet dans les lunettes, je ne sais pas si ma bête tête comme ça, c'est pas beaucoup mieux, mais enfin bref, j'ai pris ça, je vais voir comment les utiliser ou mieux. Je savais pas trop que ça existait, mais apparemment il existe des patchs pour le dessous des yeux réutilisables. Voilà, donc je vais voir un petit peu comment utiliser ça au mieux. Ensuite, un petit pinceau très 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 fin pour faire des traits de liner, pour m'amuser un petit peu. Un ustensile, on dirait une tête d'escargot en fait. Un ustensile, un peu de massage du visage, etc. Voilà, j'aime bien ce genre de gadget. Et il y a toujours des trucs en promo sur AliExpress, donc ça ne coûte pas cher du tout. Ensuite, une petite pince avec un nœud. Fait à la main, ils disent, oh, c'est cool. Comme ça, en fait, voilà. Une grosse pince pour en faire une demi-queue. Je trouvais ça tout mignon, en rouge. Ça, je ne l'ai pas déballé. Je ne compte pas le déballer tout de suite parce que j'ai peur de ne pas savoir le remettre. C'est un espèce de rideau. Une espèce de rideau comme ça, donc avec des franges. Mais, enfin, couleur métallique, c'est du plastique, hein, mais c'est couleur métallique. On va mettre ici. Quand je ne ferme pas le rideau, je filme juste à voir ce petit truc-là. Je sais pas, je me suis dit que ça cachait un peu la pièce. Et que c'était mignon. Ça m'a coûté même pas 2€. J'en ai trouvé un en promo TikTok pas cher. Je me suis dit, tostons. J'ai pris ensuite une petite tête de mort en plastique, un peu moins de 4€. Et heureusement que j'ai pris celle-ci parce que j'avais mis dans mon panier à la base une à 4€ et quelques, donc un peu plus grosse. Et franchement, j'ai bien fait de revoir la taille. Voilà, parce que je voudrais m'en servir pour faire tout un serre-tête comme ça, comme une couronne. J'utilisais ça et j'ai pris aussi des roses noires parce que bizarrement j'ai plusieurs roses mais je n'avais pas de roses noires qui sont bon, au milieu, c'est pas tip top, je sais pas si tu vois bien, moi je vais y mettre un gros strass machin, je vais un petit peu accessoiriser la chose. Hop. Ensuite, en fantaisie toujours, j'ai pris une cravate rose, mon genre de satin quoi, comme ça, soit satin, enfin c'est du faux, ouais, plutôt satin, pas très cher non plus, pas une couleur, j'ai pris une rose. Voilà. Des bijoux encore. Je sais pas si je l'ai montré celle-là ou pas, je sais plus du tout. Bref, j'ai pris une bague comme ça, ouais, avec une araignée, mais je la trouvais jolie. Ensuite, je crois que c'est en acier, non, je sais pas. De la cacaille, celle-ci me bouge, c'est pas grave, elles feront ce qu'elles feront. J'ai pris des ailes en boucle d'oreille, j'en avais déjà eu avant, et voilà, j'en ai repris une fois, mais sur AliExpress cette fois. Je trouve ça très joli. Chacun ses goûts, j'aime beaucoup, donc voilà. Des anneaux, très simples, en rose clair. Voilà, très simple encore une fois. J'ai pris une petite pince, un genre de pince épilée, mais avec un embout très très pointu pour attraper des strass et compagnie. Voilà. Donc c'est très très piquant. Ça pique. J'arrive à la fin. J'arrive à la fin. J'arrive à la fin. Alors, petite boucle d'oreille fantaisie encore. Ouais, de temps en temps, j'en mets encore bien. Je le passe souvent, donc ça me dure un certain temps quand même. Malgré que c'est de la fantaisie, j'ai pris celle-ci. Aïe, aïe, ça s'assombrit, c'est naze. Voilà, de toute façon, tu auras les photos si tu veux voir un petit peu mieux. J'aurais dû mettre mon éclairage, il y avait un peu de soleil. Puis, voilà, ça gronde plus. Bref, j'ai pris. Donc, elles sont deux, mais j'en ai mis une de chaque côté en fait, parce que c'était très gros. Elles sont fort lourdes, donc j'ai intérêt à bien mettre le sticker derrière nos oreilles. Mais je les trouvais très jolies. Voilà, pour un petit effet photo avec un maquillage bien, bien bling bling, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, pour s'amuser. Je suis tombée sur des anneaux en acier, mais avec un effet un peu, j'appelle ça un peu comme bling, je sais pas trop comment décrire. C'est un petit peu comme les fards à paupières duochrome, comme ça. Ça fait un effet comme ça, ouais.
Voilà, je sais pas si tu vois. Hop, un peu de joie des tons en mauve, rose, hop. Bleu, vert. Je trouvais ça très joli. Donc, il y avait plein de tailles. J'ai pris des 4, c'est 4 ou 5 cm. Je ne sais plus. Et ensuite, j'ai pris ça aussi, c'est le summum du bling bling et compagnie. Mais elle me plaise beaucoup. Et encore une fois, je me suis dit, tiens, avec un petit maquillage, en effet, pour une jolie photo. J'ai ça. Plus, voilà. Elles sont énormes, mais je les trouve très jolies. Voilà, c'est vraiment pas le genre de truc personnellement que je porte tous les jours. Mais de temps en temps, un peu fantaisie, voilà. Et pour terminer, j'ai regardé des broches. J'ai toujours encore bien un petit accessoire qui est Bill Blazer. Et j'ai regardé les têtes de mort. Et pour un peu plus de 10 euros, je suis tombée sur cette broche. Il faut aimer, bien sûr. Moi, elle me plaît beaucoup. Voilà. Donc, une petite broche en tête de mort. Voilà. Il est temps que j'arrête parce que je sens ma voix qui m'envoie péter. C'est le cas de le dire. En plus, ça me fait un petit peu mal. Dans le fond de la gorge. Voilà, j'espère que malgré tout, malgré ma tronche, ma voix, ça t'aura plu. Donc, tu vas pouvoir tout retrouver sur Facebook. S'il n'y a pas, c'est que le vendeur y a plus. Donc, je te laisse regarder par toi-même et tester le vendeur par toi-même, hein, comme d'habitude. Donc, voilà. Sur ce, je vais aller boire un petit peu encore. Et nous, on se dit à bientôt et prends soin de toi.